vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, l'ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo est arrivé ce mardi 13 février 2024 à Goma. Il rassure la population quant à l'implication de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, et de la force régionale de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, pour la victoire des forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, face au Rwanda. Manifestation des jeunes à Kinshasa contre les silences de la communauté internationale. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, prend des mesures formelles parmi l'interdiction de tout attroupement de 6 personnes à la Gombe et l'interdiction des motocyclistes d'accéder à la commune de la Gombe. La diaspora congolaise à travers le Forum des intellectuels des Congolais de l'étranger, FIS, encourage les jeunes manifestants contre le silence de la communauté internationale face au génocide en RDC et demande au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et les services de sécurité d'encadrer bien les manifestants. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Après le dérapage constaté dans l'organisation des manifestations par des jeunes Congolais contre l'agression rwandaise, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, prend des mesures sécuritaires formelles. Interdiction de tout attroupement de plus de 6 personnes à Gombe. Interdiction des mototaxis d'accéder à la Gombe. Et interdiction à tout vendeur ambulant et les chégués d'opérer à Gombe. Nous sortons d'une réunion avec le vice-premier ministre pour voir d'une manière brève la situation sécuritaire de la ville. Et à l'issue de cette réunion, plusieurs dispositions ont été prises, notamment l'interdiction formelle de voir les motos circuler dans la ville. Toutes les motos qui seront retrouvées en ville seront d'abord saisies. Ensuite, le propriétaire ou l'utilisateur sera mis en détention. Et de deux, tous ces badauds qui ne font rien et sillonnent la ville toute la journée jusque sur le boulevard seront tous arrêtés et mis dans un lieu sérieux pour répondre de leurs actes. Il est strictement interdit de le voir sillonner dans la ville. Et oui, les revendeurs évidemment. Et de trois, tout attroupement en ville est interdit. Nous ne pouvons plus avoir plus de 5-6 personnes s'attrouper en ville. C'est vraiment interdit. Donc nous rappelons aux gens de bonne conscience et les gens qui savent écouter que plus rien ne sera comme avant et que la police fasse à la vitesse supérieure parce que l'acte posé pendant les 2 jours a été largement suivi à travers les réseaux sociaux et tout le monde a compris le message. Il est temps d'arrêter et puis de laisser les choses marcher normalement parce que plusieurs personnes ont le droit de travailler. Génocide dans l'est de la République démocratique du Congo, les jeunes Congolais, très en colère de l'extermination de leurs frères et sœurs, ont entamé depuis le samedi 10 février 2024 à Kinshasa des actions de grande envergure devant les ambassades des États-Unis d'Amérique, France, Belgique, Britannique et au quartier général de la MONUSCO pour dénoncer l'indifférence de la communauté internationale face à ces massacres, tueries et viols dans l'est de la RDC par le Rwanda. Des manifestations saluées et encouragées par la diaspora congolaise à travers le Forum des intellectuels congolais de l'étranger, FIS, que dirige le professeur Dr Joël Ngoyinchiso, qui pour ce faire demande au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, au commandant de la police et au service de sécurité, de bien encadrer les manifestants jeunes quinois jusqu'aux différents endroits ciblés pour les dépôts de leurs mémos. La diaspora congolaise demande au vice-premier ministre de l'Intérieur, au commandant de la police et à tous ses conseils de sécurité de ne pas répondre avec des méthodes archaïques non adaptées à la situation actuelle de démonstration de la jeunesse quinoise contre l'agression de notre pays par le Rwanda.
Les jeunes qui ont commencé ce mouvement que nous félicitons sont bien connus et identifiés et ils sont bien organisés parce que nous les avons vus se présenter avec des mémos bien rédigés et confiés à ces ambassadeurs à l'intention de leur pays. Lorsque cette population demande de boycotter les produits importés et enjoint les vendeurs de garder leurs magasins fermés, c'est tout à fait simple, ils doivent répondre à cet ordre. La police, le vice-ministre de l'Intérieur et toutes les autres autorités doivent comprendre qu'il n'y a pas que l'armée pour lutter contre cette agression. La population, elle aussi, est engagée et elle a besoin du soutien et de l'encadrement plutôt que de méthodes archaïques de répression. La diaspora congolaise des cœurs avec les victimes de l'Est réitère tout son soutien aux forces armées de la République au front pour défendre l'intégrité territoriale et au commandant suprême des forces armées de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa détermination de mettre fin à cette guerre imposée à la RDC par le Rwanda et ses complices. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU se réunissent ce lundi pour des consultations privées sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo où d'intenses combats se poursuivent entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Selon une source onusienne contactée par AfricaTu.net, le secrétaire général adjoint aux opérations de paix Jean-Pierre Lacroix, qui s'est récemment rendu en RDC entre le 1er et le 7 février devrait faire un exposé. Cette réunion abordera notamment les désengagements de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la déstabilisation en RDC, MONUSCO, la détérioration de la situation sécuritaire au Nord Kivu et la récente attaque contre un hélicoptère de la MONUSCO, a-t-elle précisé, compétent au premier chef pour constater l'existence d'une menace contre la paix ou d'un acte d'agression. Les conseils de sécurité s'est réuni au moment où l'armée rwandaise et les M23 multiplient leurs offensives au Nord Kivu. Dans cette partie du territoire congolais, la coalition M23-RDF contrôle plusieurs localités. Lors de sa visite à Kinshasa, le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU a échangé entre autres avec le président Félix Tshisekedi sur des efforts conjoints pour assurer le désengagement progressif et responsable de la MONUSCO. À cette occasion, Lacroix a réitéré l'engagement des casques bleus à soutenir les efforts de protection de populations dans l'est du pays. Rappelons par ailleurs, des manifestations continuent ce lundi à Kinshasa contre les représentants diplomatiques pour leur complicité. Les activités socio-économiques ont été partiellement paralysées au centre-ville de Kinshasa. On a la marre des génocides, on a la marre du sang qui coule tout le temps. On veut juste être libre, on veut juste se sentir en sécurité chez soi. Les Congolais revendiquent et dénoncent les atrocités dont sont victimes les Congolais de l'Est de la RDC qui subissent l'agression des rebelles des M23 sous couvert du Rwanda. Un groupe de jeunes artistes de Kinshasa a sillonné les communes de Kasavubu et Kalamu habillés aux couleurs du drapeau de la RDC. Cette jeune fille crie au massacre à Goma et au silence de la communauté internationale. Il y a des jeunes comme moi qui meurent dans le pays, il y a des femmes comme moi qui sont violées chaque jour. Et ça, nous voulons en fait dénoncer de tout ce genre de massacre qui se passe à l'est de mon pays. Stop à la guerre, stop à la guerre. Veuillez changer la situation de notre pays. Nous sommes fatigués de ces guerres qui durent très très longtemps. On dit stop au génocide. Ça doit cesser. Le souhait majeur de tous les peuples congolais est de voir la guerre de l'Est de la RDC se terminer sans condition. Je vais assassiner les pays.
accuser les tueurs, violeurs, rebelles, les tueurs des ficelles dans l'est de la République démocratique du Congo, chez les créateurs de la terre et ciel. Éternel Dieu des armées, organisé ce dimanche 11 février 2024 à l'église Mission évangélique Galilée, Assemblée des vainqueurs, Lemba Super, que dirige le prophète des dieux Rémi Flamand Mangwamba. La République démocratique du Congo est attaquée. Lèvons-nous et soyons prêts pour défendre la patrie, car nous n'avons que des ennemis. C'est vrai, Yassolo. Nous n'avons pas d'ennemis. Toi, n'as-tu solo, mais nous avons une alliance avec les tout-puissants qui est au-dessus des États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi on a l'alliance. On ne va pas arrêter. On ne va pas croiser les bras. Il y a l'alliance. Et ça, c'est le prophète de Dieu. Je déclare au Congolais. Mais nous, préparons la guerre. Israël est en alliance avec Dieu. Il y a des armes. Des Occidentaux, notre pays, soit divisé en quatre États. Pourquoi nous ne sommes plus forts par rapport dans cette dernière heure? Pour être dans les Congos, un Congo doit s'élever. Nous n'avons que la République démocratique du Congo comme pays. Disons non à sa balkanisation par ses ennemis, insiste le prophète des dieux. Toutes les souffrances que nous sentons, ça montre déjà un nouveau Congo est déjà là. Réveille-toi. Que soit pasteur, que soit apôtre, que soit prophète, réveillez le peuple congolais. Pour les dire que l'état de la démocratie est déjà là. La RDC, pays avec une mission prophétique, son temps de la Bible est arrivé. Peuple congolais, réveillez-vous. L'ennemi est à la porte. Le 14 février, fête de la Saint-Valentin. Les risques par rapport à la santé des jeunes seraient les débordements. Que les jeunes amoureux ne commettent plus les actes qu'ils vont regretter plus tard. Leur conseil, l'Association pour le bien-être familial et naissance désirable, ABEF-NT. Alors, le 14 février, le monde célèbre Saint-Valentin, la fête de l'amour. Voilà, et le risque par rapport à la santé des jeunes ou des couples, le risque, ce serait juste le débordement, parce qu'effectivement, c'est parfois considéré comme une occasion de ne pas respecter certains principes, une occasion de déborder sur une certaine façon de faire sans protection. Tout le risque qu'il y a, c'est celui-là, surtout au niveau des jeunes, qu'ils puissent s'adonner à des relations sexuelles protégées, et qu'ils puissent, sous l'effet, n'est-ce pas, de la fête, sous l'effet de certaines substances aussi, être conduits à faire des actes qu'ils vont regretter. C'est tout le risque qu'il y a, surtout au niveau des jeunes. Au niveau des couples, déjà, c'est des responsables. En vrai, il n'y a pas de risque de la célébration de l'amour dans le couple. C'est d'ailleurs quelque chose qui est encouragé. Que ce soit une occasion pour le couple de profiter, se rappeler de l'amour et surtout continuer à entretenir une relation saine qui va les protéger. Et comment vivre cette journée du 14 février de la manière saine? Déjà, c'est de savoir ce qu'il faut faire, surtout pour les jeunes, les adolescents et jeunes. Et dans le cadre de ce que nous faisons à l'ABFND, nous avons un programme important d'éducation complète à la sexualité ou éducation sexuelle intégrée qui permet aux jeunes d'avoir l'information sur la manière dont ils peuvent vivre les relations, avoir une relation saine. Et les jeunes parfois profitent de l'occasion de la Saint-Valentin, de cette fête, pour faire des activités récréatives, mais il arrive qu'il y ait des débordements au cours de ces activités. C'est ainsi que tout le conseil que nous donnons aux jeunes, c'est de pouvoir s'assurer qu'ils
se respectent mutuellement et que ce n'est pas une occasion pour s'abuser les uns avec les autres. La BFND, qui travaille dans la santé sexuelle et reproductive, a un programme bien planifié avec les jeunes congolais. Et avec les jeunes, nous avons un programme très très important dans le cadre de ce que nous appelons mouvement d'action des jeunes, et nous développons un programme d'éducation complète à la sexualité avec pour objectif de pouvoir fournir de l'information nécessaire aux jeunes pour leur permettre d'avoir des choix responsables en ce qui concerne leur sexualité. C'est ce que nous faisons, et dans ce programme, nous permettons aux jeunes de ne pas se laisser aller, de savoir quelles sont les relations qu'il faut avoir, quelles sont les relations qu'il faut éviter, toute relation toxique étant à éviter, parce que ce sont des relations toxiques qui affectent la santé mentale des jeunes. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRKIN en sigle, rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, assujetties à la retenue sur loyer, que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales du mois de janvier 2024 est fixée au plus tard lundi 12 février 2024. Dépasser ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des amendes conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Celui qui paye mal, paye deux fois. Signé Miché Moussaka Mayelenkai, directeur général. La Direction générale de recettes de Kinshasa rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, que l'échéance du paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2024, revenu 2023, est fixée au plus tard, ce 1er février 2024. Elle vous convie d'effectuer vos déclarations à la DGRK ou en ligne au www.e-djerka.com. Notez bien, ne payez qu'auprès de banques partenaires de la ville de Kinshasa. Attention, les contribuables gérés par les directions des impôts de la Gombe, de Limété et de Ngaliema Nord sont invités à faire leur déclaration en ligne. Pour cette catégorie de contribuables, aucune déclaration sur support papier ne sera acceptée. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi. Et d'ici là, portez-vous bien.